gens, c'est FlotteNi71, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Call of Duty Modern Warfare 2. Donc j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien vu qu'on vient d'atteindre les 500 abonnés, donc ça fait extrêmement chaud au cœur. Donc je vais vous descendre tout de suite au décor avant de commencer le petit commentaire. Donc je jouais sur Modern Warfare 2, donc je tentais une nuque pour mes 500 abonnés, donc, vu que je n'ai jamais proposé. Donc c'était sur Wasteland en MME, vu que c'est une mode un peu plus jouable que la domination. Vu que la domination, vous savez un peu, il y a un peu des hackers, il y a un peu des lance-boules, vous voyez ce que je veux dire. Donc je tentais une nuque, donc je venais de rejoindre la partie. Donc vous avez vu au début de la vidéo, j'ai mis un petit screenshot de la classe que je jouais. Donc je jouais ACR, camouflage automne, vu que j'ai eu un non-local. Et en secondaire, ACR silencieux, et en secondaire, le Space 12, balle chemisée pour faire beaucoup plus de dégâts. Donc je jouais avec les atouts PR Pro, donc Scad Manager, puisque j'ai le jeu en anglais. Je jouais avec Force d'opposition, si je me trompe pas, ouais, Force d'opposition Pro, et Commando Pro, pour faire cut hallucinant, les cuts téléportation si vous connaissez pas. Et bah si on veut faire des trick shots, bah au moins on n'a pas de dégâts de chute. Donc je fais cette vidéo déjà d'avant tout. Pour vous remercier d'être plus d'être maintenant 511 exactement abonnés à ma chaîne YouTube. Donc ça fait extrêmement plaisir, vu que ça fait quand même le demi-millier d'abonnés. Donc je trouve que c'est pas mal. C'est 500 personnes qui me suivent dans la aventure YouTube. Donc j'en suis très content et je vous en remercie. Donc même s'il y a des abonnés, je le sais, qui sont abonnés mais qui me suivent pas du tout sur YouTube. Donc c'est eux qui veulent. Hein. Moi je peux leur dire que s'ils sont abonnés pour pas me suivre, bah... il faut qu'ils se désabonnent. Hein. Donc moi par contre, il y a quand même beaucoup d'abonnés qui sont actifs sur ma chaîne, donc je serai très reconnaissant. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc là vous voyez que je vais débloquer bientôt mon arrière. Donc là j'ai plus un peu parlé, voilà, j'ai bloqué mon arrière. On a 7 kills d'affilée. Hein. Donc une nuque, si vous savez jamais jouer sur ML2, c'est les meilleurs kill streaks qu'il faut prendre. L'arrière, le mitrailleur d'hélico, et après vous avez la nuque, ça va tranquille. Surtout sur cette map. Donc là, vous voyez, je débloque mon arrière. Je le pose. Donc, je crois bien que je vais faire quelques kills avec. Donc là, je vais faire un kill pour le 8ème, le 9ème. Et là, je crois que je vais faire un kill avec l'arrière, si je ne me trompe pas. Ou un truc dans le genre. Donc, par contre, je peux vous dire que l'arrière, c'est pas comme les petits hélicos de Modern 3 qui font rien. Hein. C'est vraiment de gros kill streaks. Massacre. Ah bah non, j'ai rien dit. Je faisais pas de kill avec l'arrière. Donc je bloque mon mitrailleur d'hélico. Donc je me mets en sensibilité moyen. Donc si vous savez pas, c'est beaucoup plus efficace de faire ça, parce que sinon c'est pas très précis. Donc c'est une bonne technique pour tous les amateurs de nuke. Donc là au début je fais pas trop de kills, puisque le spawn n'est pas là. Donc je fais deux petits kills. Donc vous voyez. Donc je vais pas vous dire si c'est une nuke. Enfin je pense que vous allez deviner quand même si c'est une nuke, mais bon, c'est pas grave, je vais pas trop vous spoiler. Mais c'est pas grave. Donc là voilà, j'ai vite fait les ennemis, il n'y avait pas trop de personnes. Et là vous verrez, je vais trouver le spawn. Vous verrez, ils vont tous spawner là les ennemis et ils vont bien se faire défoncer dans le bon sens du terme. Donc vous voyez, ah, regardez, regardez, même si je fais beaucoup de marqueurs, vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'atout painkiller en anglais, je sais plus ça veut dire, bah je sais pas c'est quoi, mais c'est une petite morphine, bah c'est la morphine, voilà, c'est quand tu spawns pendant les 10 premières secondes, et ben t'es beaucoup plus résistant, par exemple, c'est impossible que tu te sors une balle par exemple avec une intervention. Donc c'est très chiant. Donc vous voyez, je viens de débloquer la bombe nucléaire. Donc la nuque. Donc la bombe nucléaire tactique en français. Donc je vais pas la poser tout de suite, je vais la poser un peu plus après. Donc cette vidéo a été très rapide, mais cette vidéo était juste pour vous remercier de ces 5 abonnés. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo. J'en serais très reconnaissant. Donc en tout cas, moi je vais faire de plus en plus de nuques sur ma chaîne, vu que ça me rappelle des bons souvenirs. Donc je vous laisse sur ce super son de la nuque. Et moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Et merci encore pour les 500 abonnés.